vice versa. Ah, mais bon, ça joue donc. Je pense que vous en êtes conscient. Allez, c'est parti, on est sur Lylat, mesdames et messieurs. On est sur Lylat et ça part sur un DK versus Lucas. Ça part sur les petits piquets fire, on n'aura pas la même utilisation que ce Ness, ça c'est sûr. Et bien évidemment, on fait quelques petits nerfs et direct, on a biffé. Tout de suite. Tout de suite, là, on part offstage pour revenir avec un petit upbeat et on touche. Moi, ça m'intéresse bien de voir un roux jouer... Un joue jouer un blond plutôt. Ouais, c'est pas. Je suis d'accord avec toi, Oxydion, c'est pas le plus secret qu'on ait connu, mais bon. C'est vrai que s'il jouait Bayonetta. Ça aurait été surprenant. Et l'Ekir, bien sûr, on rappelle, c'est DC et l'Ekir. Hein, qui, bien évidemment, va sûrement prendre du plaisir à voir Pandaru jouer ce cher Lucas. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir. Ça fait plaisir à voir. Ça me fait extrêmement plaisir puisque Lucas c'est quand même mon perso de cœur, je le rappelle. C'est quand même mon main depuis 10 ans. Et Bibi a pris. Qui a pris une petite sauce, on va pas se mentir. La sauce, ça sûr, mais. Il a pris un gel. Pourquoi avoir pris. Donkey Kong, je ne sais pas. Ah, Bibi, maintenant il a pris sa retraite. Au niveau du match-up, qu'est-ce qui se passe? Il a un avantage? Moi j'en sais rien. Honnêtement, je pense que Falco ça se démerde bien contre Lucas. Je pense aussi, c'est pour ça que je suis. Non, mais il veut jouer. Il a dit allez la première on l'attente comme ça et peut-être après il rentre. Ouais mais Bibi vous savez qu'il a pris sa retraite, il s'amuse maintenant. Il s'amuse, même s'il a joué Falco je crois tout à l'heure. Mais Oxy. Oh Jablock, incroyable. Oh Donner. Oh oh, oh il a tenté une énorme douille, il a voulu read, sûrement une. Oh le Breaching. Par contre je m'attendais à plus de. Et le up smash qui va faire très très mal et qui va tuer. Je pense que Bibi aurait pu punir un peu plus vénère. Je pense qu'il y a assez de likes pour qu'il. Ah, il a juste fait une. Oh, Panda qui veut across the stage. Et non, ça ne marche panda, pas. Panda. Malheureusement, à cause des putains de réacteurs. Voilà. Allez, le nerf into fair, c'est trop combo, oh, on le sait. Le shop, c'est forward beau, throw, putain. Parce qu'il n'y a pas vraiment de combo throw pour Lucas, à part éventuellement à 0% sur une mauvaise DI. Ça fait beaucoup de. Ça fait beaucoup de conditions, je suis d'accord. Oh, la super armure et le shield qui a pris très cher. On va voir comment ça va se passer là, ça zone un petit peu. Oh le Donner qui a failli marcher. Attention parce que Lucas quand même, le hubby est beaucoup plus lent que celui de Ness. Donc on a plus le temps. Je trouve qu'il s'en sort très bien parce que moi j'aurais eu beaucoup de mal. Enfin je trouve qu'il vise très bien avec pendant. Ah ouais ouais, 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 je suis d'accord. Moi quand je joue Ness je vise très très mal parce que je suis trop habitué à Lucas. Ouais et moi pareil pour de mon côté comme je joue Ness en priorité. Mais du coup là c'est marrant de. Ah le nerf. Et le nerf qui a été buff hein, parmi les dans les patchs les plus récents. C'est pas le tout dernier patch, je crois que jouer contre. Ouais, bah Pandaru, il a quand même un jeu. Ah bah Pandaru, ça reste bon, Pandaru. Il a quand même un très bon on jeu. On rappelle que Pandaru a fait top 6 à la Massilia, à la Massilia à Marseille. Le lendemain de la petite soirée là, du AMT, c'est ça? Je crois, ouais. Ou alors c'était dimanche, je sais plus. Et la super armure. Attention quand même à la douille. Ouais, alors en fait, top 5, ça veut dire top 6. Hein. Apprenez à lire un classement, s'il vous plaît. Top 6, il a perdu contre Léon, la meilleure Lucina de France, quand même. Et qui fait partie du top 10 français. Et il a perdu après contre un main Pikachu en winner. Ouais, ouais, top 5, c'est top 6. Hein. En fait, t'as deux cinquièmes égalités. Et le Piqué Fire qui va prendre la game. En vrai, la game finalement, était. Finalement, c'était pas si close que ça. Parce la que game était close, mais. Comme il se dit une première fois, et ouais, que derrière, ouais. avec notre ami DK, on peut s'attendre à des douilles jusqu'au dernier moment. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça a joué PS2. Il a vraiment perdu versus FRNK. Il l'avait démonté la dernière fois, bah ouais, bah il s'est fait edgeguard à l'infini, voilà. Parce que malheureusement, Pandaru, il trouve qu'il a du mal à... En fait, je suis jamais top 4, mais si, top 4 par contre, c'est vraiment être 4ème. Regarde le classement et tu verras que 1, 2, 3 et 4... Ils sont vraiment en 3-4 et à partir de 5ème il y a 2 5ème égalités, 7ème il y a 2 7ème égalités, donc en fait 5ème c'est top 6, 7ème c'est top 8, et ensuite 9ème en fait c'est top 12 parce qu'il y a 4 9ème égalités, 13ème c'est top 16, etc. etc. Donc voilà, apprenez à lire un classement, bande de petits cons. Quoi, il commence à s'énerver. Bref, voilà quoi. Par contre, il y a une stock qui parle. Mec, tu regardes ton téléphone. J'écris un message et. Mec. Oxydion, il écrit à la marine. Voilà, allez, on dira que ça. C'est pas forcément positif. Allez, c'est pas. Bon,
Allez, ça gratte énormément de pourcentage. Oh là là, super armée, on en profite là de Bibli, le Bakker qui va être trouvé, attention offstage. Et le Spike, on a cherché de douiller énormément avec le neutral Spike. Et on s'est pris un Bakker, un Spike. Oh, un deuxième Spike. Oh 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 oh, non, bah, il va mourir et pas de tech. Quoi? Ok. Oh putain, mais ça a reset ici. Ça a reset complètement la game. Bibli qui troll. Allez, on fait un match en une seule stock du coup. Allez, allez, les petits. Allez, non, en vrai, je pense que Panda n'a pas vraiment de raison de ne pas vraiment zoner le DK. DK, il a pas forcément beaucoup d'armes contre le zoning et après, bah, il a rien pour zoner lui-même. Donc, du coup, ça va être compliqué. Ouais, DK en plus, s'il se fait zoner, après, il se retrouve offstage. Et après, bah, offstage, DK a un mauvais coup et c'est fini. Par exemple, là, un forward air qui va tuer sur le sweet spot. Et Panda Roo qui va calmement aller chercher le 2-0. Oh, quel dommage! Et Bibli quand même qui aura.